On ne va pas commencer à nous prendre en photo. Faut nous demander avant. Pas de photo compromettante. Mais tais-toi, Peignouche, on ne peut pas répéter. Il y a quatre chemins de quatre champs de menhir comme ça. Le Ménec, il y a Mario Calestran, le Manu, si vous êtes dans le champ. Et on a mis autrefois... Ah bah c'est ici alors, autrefois. Tous les menhirs à la dire de Vannes. Vous l'avez. Mais nous, on enlève. L'enlever dessus, vanille là-dessus, à d'être sans cornet. Voilà, ils sont. Ouais. Sans cornet, il y a vous voyez pas les drèves-bottes. Sans cornet, il y a vous d'aller une guerre, vous avez l'air de tout se faire, donc vous allez vous dire non, du gilet. Alors, je mets carrément haut, peut-être, non? Non? C'est pas de mesdames? Mesdames, messieurs, nous sommes en 1964. Vous êtes confortablement assis dans deux autocars de la marque Chausson. L'un s'arrête à Kermario, l'autre Ménec. Le chauffeur n'aura pas le temps de stopper le moteur que déjà un jeune Carnacois, le plus jeune de la bande, m'a-t-on dit, a pris place sur le marchepied. La porte s'ouvre, la légende des menhirs peut commencer. Avez-vous le sou en poche? Parce que ce soir, on fait les comptes. Alors quand les voitures arrivaient, il y en avait plein comme ça, on allait aussitôt après la voiture, on les laissait même pas descendre, et on disait... Voulez-vous que je vous raconte la légende des menhirs, s'il vous plaît? Quand est-ce que Armenzé, où est-ce que Chal, leur verrit de Geltetko? On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre. Un riche, une grosse, un pauvre, une petite. Déjà, égaux, mais pas trop. Mais la légende dit aussi que Saint-Cornélie poursuivi jusqu'au bord de la mer par les soldats païens. Mais là, histoire de ouf, pas de navire en vue. Et changea tous les soldats en pierre. Au tumulus Saint-Michel, il y a un grand souterrain de 125 mètres de long qui est composé de 19 tombeaux ainsi que 3 beaux dolmens et un souterrain à visiter. Plus loin, vous avez un dolmen. Ce dolmen a été découvert. Et en faisant des fouilles, on y a trouvé 5000 pièces romaines, 4 vases, des haches et des couteaux en silex qui sont maintenant déposés au musée à Carnac. Ici, vous êtes dans le champ de Kermario. C'est le plus beau et le plus important. Voilà. Mais on pourrait mettre d'autres paroles, on pourrait presque danser là-dessus. La légende a plus d'une musique. Le deuxième de la rangée à droite, celui qui a les morsures à côté, c'est l'ancien géant. Mais toi, tu me disais qu'il y avait quasiment un menhir pour chaque événement de la vie. Oui. Il y avait celui qu'on allait voir pour réussir aux examens. Il y avait celui qu'on allait voir pour se marier. Bah, à quoi bon se marier? Il suffit de se paxer. Il faut passer sous le dolmen en veillant à ne toucher ni le sol ni la pierre. Pas si aisé. Les gens rigolaient. Ils passaient en dessous. Ah, toi, tu vas te marier. Moi, je ne vais pas me marier. Gna gna gna. Et puis après, vous les couples. Alors là, ça devenait plus sérieux. Et si vous passez en dessous et que vous mettez vos mains par terre, que vous touchez votre dos, votre mari est cocu dans l'année. Voilà la légende de chez nous. Bien, mais écoutez, je vous invite à voter. C'est juste dans les entrées, il y a deux urnes. Remplissez vos petits papiers. C'est con, il y en a plein. Non, mais ça, c'est parce qu'elle veut pas. T'es timide, il n'y a plus personne. Alors, remporte la prestigieuse compétition avec un score quasi nord-coréen. Nicole Morgan. La deuxième position va donc à l'équipe du Ménec, Joël Marion, Jean-Pierre Leny et Anne-Marie Lequillet. On a deux ex-aequo pour la troisième place, avec le même nombre de votes. Rémi et Céline.
Et donc ex aequo avec Rémi et Céline, Pierre-Antoine. La 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 la